En montagne, il faut faire attention où on va, les sentiers sont parfois étroits, c'est parfois escarpé, on glisse parfois, on fait tout pour ne pas se ramasser une gamelle et si on tombe, on se relève. Le parcours peut être parfois compliqué, tortueux et la vue est franchement splendide. La vie est faite de cela mes amis, la vie est un voyage où ce n'est pas toujours aussi facile, ce n'est pas spécialement toujours la voie la plus aisée à prendre. Mais c'est le voyage, le parcours, c'est la signification et le sens que vous donnez à ce parcours qui fera la différence. Mais regardez, la vie c'est aussi ce genre de spectacle-là. Parfois on essaie de prendre un appui sur une pierre qui n'est pas bien accrochée, la pierre vacille, on risque de tomber. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une finalité, on continue. Et quand on sait où on veut aller, quand on connaît l'objectif, on sait où trouver la motivation qui va nous pousser, qui va nous inspirer. On va peut-être rencontrer des gens qui vont nous encourager, des gens qui ont fait ce chemin, qui sont sur le chemin du retour et qui nous disent « Regardez, là-bas c'est super, continuez !» Et regardez, et parfois, il faut être en équilibre. C'est ça la vie, ne vous découragez pas, restez motivés. Et si vous tombez ou si vous faites mine de tomber, appuyez-vous ailleurs, appuyez-vous sur quelqu'un d'autre. Merci mon cœur parce que c'est grâce à toi qu'on est là. Ouais. Ici, un superbe voyage. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux parce que nous, on l'est. Tu me fais un bisou quand même ? Pensez-vous pas que ces racines sont une belle métaphore de la vie ? La vie, elle, ne se pose pas de questions, elle ne se complique pas la vie. Elle va où elle peut chercher des ressources pour que l'arbre, la plante, la fleur puisse s'épanouir. Elle ne se plaint pas que le sol est trop rude, que c'est trop difficile, que c'est trop tortueux. La plante, elle, ne cherche qu'une chose, c'est de grandir, de s'épanouir. Elle ne se dit pas qu'elle est au mauvais endroit, elle ne se dit pas que c'est le mauvais moment. Elle fait juste une chose, pousser, comme vous. Et parfois, la vie nous fait passer par des moments sombres et ténébreux. Le sol est parfois glissant, il faut rester vigilant, on ne peut pas courir à tout moment, on ne peut pas se dire on se lance sans regarder, sans savoir où on met les pieds, être attentif. Mais aussi difficile et tortueux soit le parcours, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous émerveille. Qu'est-ce qui vous émerveille aujourd'hui sur votre parcours ? Il pleut. Et parfois il se met à pleuvoir et c'était pas prévu. Voilà, je me suis pris une gamelle. Une belle. Et en plus, Camille, elle est fière de dire, t'as vu, j'ai pas rigolé. Mais c'est bien, elle retient le temps qu'elle voit que tout va bien, puis elle rigole. Je me suis fait mal quand même. Donc parfois, on glisse. On glisse parce que, ben voilà, il pleut, c'est mouillé. On va essayer de montrer. Et ces fameuses passerelles sont maintenant extrêmement glissantes. Voilà, c'est comme dans la vie, parfois ça glisse. Et parfois, il y a votre partenaire qui vous attend là dans la grotte en attendant que la pluie s'arrête. Et vous avez parfois l'impression d'avancer tout seul. Ah, elle suit. Ah, super. Voilà, c'est ça. La vie,
C'est pas toujours une promenade agréable, mais c'est une promenade, c'est un voyage. Un voyage jonché d'obstacles, de belles vues, de belles découvertes, de passerelles, de ponts, comme celui-ci, à nouveau. Et de la pluie. Et de la pluie, voilà. Mais la pluie n'a jamais tué personne. Ah si, si, les sorcières. Je suis mouillé. Les sorcières, ah bon. Voilà. Et tôt ou tard, le soleil finit par réapparaître. Mais il pleure, non. Mais le soleil apparaît. Bon, il faut que je fasse gaffe parce que c'est vraiment étroit, là. Et voilà, le soleil apparaît tôt ou tard. Même s'il pleut encore. Comment casser un peu ça, je comprends.